Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui, on vous présente le Grandfather. On va vous faire aussi une petite recette de Brown Ale qui va être disponible. Les quantités vont être disponibles dans la description en dessous de la vidéo. Fait que c'est ça, on va vous présenter tout l'équipement ici qui est le Grandfather. On va vous montrer aussi comment brasser avec. On va commencer par les pièces, les différentes pièces qu'on a. Fait qu'on a notre petit couvert ici en vitre. Qui sert à garder la température constante. On a le panier qu'on va mettre notre grain dessus avec un pot fond et un top. On a les tuyaux à l'intérieur pour empêcher le grain, puis on a le bloqueur pour quand on va mettre notre grain, vous allez voir tantôt. Le Grandfather, qu'est-ce qui est fun, c'est qu'il est 100% électrique sur le 120 volts. On a un contrôle en avant ici pour dire la température pour setter les recettes. On a aussi l'application Grandfather qui est vraiment utile. On met la recette dans l'application, puis par la suite, ben, il va nous envoyer des informations pour les rajouts doublons, pour si on veut monter la température, si on veut faire une bière à palier, si on veut faire des mashouts, ça va vraiment bien. Ici, on a la pompe recirculatrice qui va recircler tout le long de notre mou, qui va l'aider à clarifier et qui va garder une température vraiment constante. Puis, sinon, on a ici le refroidisseur à contre-courant. D'un côté, il y a l'eau froide qui va passer. L'autre côté, ça va ressortir en eau chaude, qu'on va voir tantôt. Alors, la présentation du matériel est finie. Aujourd'hui, on vous brasse une Brown Ale. Pour la Brown Ale, on a décidé de prendre du malt de base qui est le Optic de Thomas Fawcett, qui va donner un petit côté plus anglais. On va avoir aussi du malt brown de Thomas Fawcett encore. On a utilisé de l'avoine de Thomas Fawcett encore, du caramel 60 et un petit peu de chocolat, un petit 50 grammes, juste pour donner une petite teinte, un petit goût plus chocolaté à notre recette. Fait qu'on va commencer, on va amener l'eau, puis on va vous préparer ça. Le Grandfather, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on met l'application. Par la suite, on dit la température qu'on souhaite atteindre avant de commencer notre marche. On peut ouvrir la petite valve ici, qui est une valve de sûreté. Puis quand on pèse sur le fond, ça va recirculer tout le long. Là, présentement, on a mis l'eau. On attend que l'eau soit rendue à bonne température avant de mettre notre grain. Une fois notre grain est posé dedans, ben, on va recirculer sans arrêt avec la petite pompe. La température est bonne, donc on va déposer notre grain dedans. Puis on brasse pour être sûr que ça soit uniforme. On s'assure aussi qu'on n'a pas de motons, de petits grumeaux pour que la formation enzymatique se fasse vraiment partout. On l'installe vraiment juste à côté dessus. On peut enlever notre stopper. On place notre bout et on pousse jusqu'à temps qu'on atteigne la côté voulue. On place le couvert. On place notre petite hose. Et on démarre la pompe. Tout le long, le Grandfather va recirculer.
qui va nous donner une température stable et très constante. Si vous demandez le tube au milieu à quoi il sert, c'est vraiment pour empêcher le mou de monter trop haut. Puis ça empêche justement de brûler l'élément chauffant. Alors c'est parti pour 1 heure. On va le laisser fonctionner. La transformation enzymatique est terminée. Le test diode, comme vous pouvez voir, il est vraiment devenu clair. Alors, il reste 2 minutes à la mâche à finir. Par la suite, on va faire le rinçage des brèches. Le mâche est terminé. Fait qu'on prend la basket, puis on fait juste le soulever. Puis on peut prendre sur les le rinçage terminé, on laisse égoutter un petit peu le mou pour être sûr qu'il n'y a plus de liquide qui sort pour tout récupérer au complet. On compresse jamais le liquide, on ne prend pas nos doigts pour compresser. On va le laisser égoutter puis on va commencer l'ébullition. On va avoir 3 ajouts doublons. On va avoir 2 ajouts doublons. Fait que on laisse égoutter puis on va commencer l'ébullition par la suite. On a fini d'égoutter, fait qu'on prend notre basket. Comme ça. Puis on va le mettre dans une petite chaudière à terre pour être sûr de ne pas tout cochonner au complet. Un coup rendu par terre, on peut remettre notre couvert. Puis attendre notre ébullition. Fait que c'est parti pour l'ébullition. On est rendu à 94 sur 100. Fait que c'est vraiment bien de commencer. Pour la recette, on utilise 2 houblons. On a le Newport qui est ici. De l'horizon. Je tiens à remercier Brasseur Durand qui m'a apporté 2 beaux paquets cadeaux. J'avais jamais brassé avec le Newport, alors j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais je peux vous dire qu'il sent vraiment bon. Fait que on continue l'ébullition, puis on vous revient. On va mettre le carrageenan dans le flacon. Ça, quand c'est fait, ça va prendre toutes les protéines en suspension, puis ça va les faire coaguler. Fait qu'on continue de faire le boil, l'ébullition. Présentement, on va mettre le refroidisseur pour le stériliser. Pendant les 15 dernières minutes, on recircule constamment. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va vraiment bien stériliser le refroidisseur, puis on va être sûr qu'il n'y a plus aucune bactérie dedans. Puis c'est vraiment une partie importante parce que rendu là, si on a des bactéries, ça va infecter notre mou, puis notre mou de bière ne sera plus vraiment stérile. La première chose qui va venir, c'est la bactérie, fait que tu n'auras pas les saveurs et les goûts de la levure qui va développer. C'est parti pour 15 minutes. On a rajouté le houblon à 0 minute. Puis on va arrêter l'échangeur. Puis on va partir de notre eau froide. On a fini de refroidir, fait qu'on va mettre ça à travers des passoires que ça filtre le houblon qui reste. En même temps, ça va l'oxygéner. On est rendu au nettoyage. Puis c'est vraiment important de l'expliquer comme du monde parce que c'est ça qui va garder votre machine vraiment longtemps. En pleine capacité. Fait que c'est tout le temps le fun, mais il faut laver. Je vous conseille tout le temps de sortir la pompe si il n'y a pas de recirculation, comme ça c'est plus simple. On lave le filtre.
La viande est finie, on va prendre notre test de densité pour voir à quelle densité qu'on est. Ça va couler un peu, mais c'est pas grave, on va nettoyer ça après. On est à 10, 20 piles, 10 plateaux. Ça veut dire qu'on est à 10.3 avec l'écart de température. La partie que je peux faire. Que c'est bon. Il nous reste à mettre la levure. Vraiment important. Toujours stériliser les instruments avec lesquels on va travailler. Stériliser les mains. Puis stériliser le sachet de levure. Deuxième sachet de levure, on va prendre une British Ale WLP0005. On ouvre le petit sachet comme ça. Et à l'intérieur du sachet, il y a un autre sachet stérile. On peut le mélanger pour être sûr que tout est bien mélangé. On ouvre notre couvert. On coupe la partie supérieure du petit sachet avec nos ciseaux stériles. Et on fait comme qu'on était avec Mr. Freeze. Par contre, on a notre bouche dans la bière. Notre bière est bien oxygénée déjà. Fait que la levure va partir vraiment rapidement. C'est parti pour la fermentation. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez aimé, bien, faites-nous le savoir. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. C'était la présentation de notre grandfather avec une petite recette de brown ale en supplément. Si vous voulez le grandfather, plus de renseignements, posez-moi les questions que vous voulez. Puis on va répondre à toutes vos questions. J'espère que vous avez aimé. Puis d'ici là, bien, à la semaine prochaine.